tous, je suis Guillaume Bidard, je suis professeur de basson au Conservatoire de Mulhouse et également basson solo de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Vous venez d'entendre un extrait du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, joué sur cet instrument qui est le basson. Le basson, c'est la basse de la famille des bois. À l'origine, on appelle ça le basson car c'est le basson de hautbois. C'est un instrument donc plutôt grave et un instrument plutôt grand également, ce qui est lié. Pour avoir un instrument grave, il faut que l'instrument soit grand. Quand je souffle dans mon basson, à l'aide de ceci qu'on appelle une hanche, vous allez entendre, quand je souffle dedans, le son de l'hanche toute seule. La vibration de l'hanche va traverser le basson, descendre par ici, remonter par là et sortir ici. Ça permet d'avoir un tube assez long pour faire des notes graves. Alors, évidemment, je vous parle de son grave depuis tout à l'heure et vous n'avez entendu que le Sacre du Printemps qui n'est pas spécialement une musique grave. C'était aussi pour vous faire découvrir une autre possibilité du basson. Mais pour ce qui est de sa faculté à jouer dans le grave, qui est sa qualité, sa grande qualité, il n'y a que le basson qui puisse jouer aussi grave. Il n'y a rien de mieux que l'apprenti sorcier de Paul Dukas, que vous connaissez certainement. Le titre ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais la musique, je suis sûr que vous la connaissez déjà. Elle a été utilisée dans Fantasia de Walt Disney. Une autre musique très connue au basson, en plus de l'apprenti sorcier, c'est évidemment le grand-père dans Pierre et le loup. Le grand-père qui bougonne, le grand-père qui ronchonne, le grand-père qui est fâché, car Pierre s'est échappé, Pierre est sorti dans le jardin alors que le loup est là. Et le grand-père, du coup, est représenté par le basson. On a donc le basson qui peut jouer, qui utilise sa faculté à jouer dans le grave pour représenter ce grand-père qui ronchonne. Encore un caractère de plus que le basson peut faire ressortir. On a le chant du Sacre du Printemps et on a le grand-père qui bougonne dans Pierre et le loup. Un peu plus pratique, parce qu'évidemment le basson est assez grand, il y a des bassons petits, des petits bassons, il y a des petits bassons adaptés aux enfants. On peut commencer environ vers 6-7 ans sans aucun problème. Des bassons qui sont adaptés, qui sont plus légers, où les enfants peuvent mettre leurs mains, où les enfants peuvent jouer du basson. Le conservatoire en a plusieurs qui peuvent être mis en location pour les gens qui en font la demande. Enfin, un dernier extrait que je souhaitais partager avec vous, c'est la sarabande de la partita pour flûte de Jean-Sébastien Bach, que les bassonistes se sont appropriés parce que c'est de la musique magnifique. Et pour finir, sur une note chantée au basson. Bonne journée à tous.